un état d'esprit un petit peu d'impatience, de voir aussi, de rentrer dans la compétition, de voir aussi notre équipe et les joueurs dans un autre format que les matchs amicaux. Et vraiment, vraiment hâte d'être à ce premier match qui va être un match, de toute façon, quoi qu'il en soit, comme tous les matchs importants pour le début du championnat. Je connais très très bien mes joueurs maintenant depuis un mois, je sais ce qu'on est capable de faire. Après, oui, il y a toujours quelques petits réglages, il y a des joueurs qui viennent d'arriver, donc pendant le mois d'août, il va falloir être le plus régulier possible et le plus constant possible pour pouvoir bien commencer la saison. Aujourd'hui, il y a une nouvelle saison, un nouveau départ, il y a eu ce qui s'est passé l'année dernière. Voilà, il faut vite dans le football. Se remettre un petit peu la tête à l'endroit et se focaliser sur ce qui va arriver. Les années passées, oui, on ressasse les choses, mais en soi, c'est du passé. Aujourd'hui, ce que je veux, c'est qu'on se projette sur l'avenir. Et l'avenir, c'est d'essayer, comme on l'a dit avec le président et avec Louis, d'obtenir nos objectifs, à la fois collectifs et à la fois aussi personnels pour les joueurs. Donc c'est ce que je dis aux joueurs depuis que je suis arrivé. Même si c'est vrai, il y a eu des belles choses qui se sont passées dans ce club, mais l'important, comme vous le savez, pour les joueurs et pour le staff, c'est l'avenir et c'est ce qui arrive d'un week-end à l'autre en enchaînant les matchs. On sait que c'est une équipe qui va être bien en place, qui met aussi pas mal d'impact et on sait à quoi s'attendre. J'en ai parlé avec les joueurs tout au long de la semaine et de toute façon, on ne rentrera pas, et l'équipe de Troyes cette année ne rentrera pas avec un statut sur le terrain en se disant ça va être facile. C'est pas vrai. On va être attendu et le statut, il faut l'oublier. Et il faut mettre le bleu de chauffe pour respecter toutes les équipes de ce championnat. Particulier, oui, parce que je suis numéro un maintenant d'un club professionnel de Ligue 2, d'un bon club professionnel de Ligue 2. Maintenant, j'ai été adjoint de Ligue 1. J'ai vécu des matchs de Coupe d'Europe. J'ai vécu des matchs importants aussi, notamment en Ligue 1. Donc, c'est toujours particulier son premier match. Mais j'ai vraiment hâte d'y être parce que je me sens bien ici. Je me sens bien avec ce groupe. Je me sens bien avec le staff. Et donc, voilà, maintenant, tout est réuni pour essayer de faire une bonne saison.